Allez! On débute un nouveau jeu. Dread. Dread. Nautical. Charlie, t'es là? Oui. Et voilà, vous êtes là, inconscient, à la dérive dans l'Atlantique. Vous ne savez pas ce qui vous attend, le surdoué. Vous ne savez pas ce qui vous a attiré sur ce bateau au départ. Vous réfléchissez à la voix dans votre tête. Ces autres mortels insensés pourraient-ils l'entendre aussi? Je vous assure, ils n'entendent rien. De plus, ils ne sont pas nécessaires. Ils ne manqueront pas leur réalité. Leur réalité ne sera bientôt plus. Bienvenue dans mon royaume, mon enfant. Un royaume de ténèbres. Un royaume de désespoir. Je sais, mon ami, un royaume d'effroi. Le titre n'est pas dans les choix. Normal. Come on. I ain't got all day. Bon, bâtir une carrière, faut les... Ah, c'est des options. Et c'est chouette de la vie de Yasuka quand elle... Je vais prendre une... Ah, bâtir une carrière, fouiller les carnivaux et attraquer les gens à travers les rues à clair de lune, il a choisi un mauvais moment pour ses premières vacances en 20 ans. Bon. Nouvel objectif. Réveil brutal. Réveil en panique. Votre curiosité prend immédiatement le dessus. Où êtes-vous? En cherchant une issue pour vous échapper, vous voyez un homme maigre avec un bonnet rouge. La seule sortie est à travers lui. Sélectionnez la cible et utilisez A pour se placer votre survivant pied sur A pour parler à l'homme maigre si vous l'inspectez, puis Y.
Ah bien, tu es réveillé. Même s'il vaut probablement mieux d'être conscient. Pourquoi? Où suis-je? Une seule endroit sécuritaire, le hall du milieu du navire. Tu étais presque fichu quand je t'ai trouvé en bas. Moi, c'est Jed. Merci pour ton aide, Jed. Content de te rencontrer. Que se passe-t-il? Eh bien, disons que j'adore tirer sur les zombies dans les deux jeux vidéo. Mais ça, c'est pas un jeu et c'est vraiment pas drôle. Les zombies? En vrai? Non, mais quelque chose de similaire. Tout ce que je sais, c'est que les passagers ont commencé à devenir fous et à s'attaquer les uns les autres. Les cris se sont calmés. J'imagine que quelques personnes sont mortes. C'est sinistre. Je dois voir ça par moi-même. Ouvre l'œil pour la nourriture aussi. Il n'y a rien ici. Et cherche la radio et la corne de brune sur la passerelle. Peut-être que quelqu'un peut nous aider. Et une dernière chose, prends ce tuyau de plomb dans l'ascenseur. Triste à dire, tu auras besoin de t'en servir comme une arme. Quelle vacance. Mieux vaut être inconscient. Jed semble un peu fou. Vous ferez mieux de faire un tour par vous-même. Prenez l'ascenseur jusqu'au pont 1. Vous pouvez déplacer la caméra avec R. T'appuies sur LT pour faire pivoter. Ah, il est l'ascenseur. T'as une caméra, t'as un micro. Chasse aux objets. Les choses ont l'air sinistres ici. Peut-être que Jed n'est pas fou. Prenez votre temps pour trouver les objets utiles. Ah! Bon. Cueillissez le butin en fouillant les pièces et vainquant les ennemis. Sélectionnez un placement de votre barre d'action. Appuyez sur pour sélectionner pour utiliser une chaque... Objet, il y a un niveau requis de points d'action. Utilisation de n'importe quel objet diminue sa durabilité. Déjà, la cam, c'est un plus. Et prendre. Ok, des bandages, c'est un bon début. Continuez. Bon. Évidemment, il y a d'autres choses, il n'y a pas juste ça. Exemple, c'est est-ce que tu vois si tu aurais un cellulaire ou un autre ordinateur à côté, puis tu peux ouvrir le chat, puis voir dès que quelqu'un apparaît, placer un bot. Si tu as un ordinateur, tu peux toujours acheter un bot qui peut parler à tes personnes. Excusez-moi, est-ce que ça va? Nouvelle enquête, c'est quoi cette chose là-bas? Approchez-vous prudemment et essayez de l'examiner. Combat les ennemis se fait au tour par tour. Au début de chaque tour, vous recevez des points d'action que vous pouvez dépenser pour déplacer, attaquer ou utiliser les capacités lorsque vous avez dépensé tous vos points d'action. Votre temps est fin. Vous pouvez terminer votre tour manuellement en appuyant sur B. Si vous approchez trop près de ces choses, zombies, vous allez vous faire attaquer. Heureusement, ils ne sont pas aussi coriaces que, eh bien, tout ce que
qui peut nous tuer. La barre d'action indique que l'arme choisie par le survivant. Choisis le tuyau. Ah, j'ai oublié de prendre le tuyau, il était dans l'ascenseur, ça disait. Ah, mais il est là, ok. Un coup de bâton! Attention à la cravate! Oh, c'est le dernier d'entre eux! Cette chose n'était pas amicale. Restez concentrés. Trouvez de la nourriture, envoyez un appel de détresse et retournez voir Jed. Appliquez des bandages pour guérir vos plaies. Sélectionnez le bandage sur votre barre d'action et maintenez A. Appuyez. Lorsque le bandage est sélectionné, vous pouvez aussi guérir d'autres survivants. En les sélectionnant, en appuyant A, les consommables disparaîtront de votre barre d'action lorsque vous les chargez. Toutes les charges seront épuisées. Vêtements de travail. Je vais pas me remplir tout de suite. Let's see. J'ai bâti une carrière à fouiller les caniveaux et à traquer les gens à travers les rues au clair de lune. Il a choisi le mauvais moment pour les premières vacances en 20 ans. Certains ennemis sont endormis, mais ils seront pas en conscience une fois que vous serez dans leur zone de proximité. Les ennemis avertis vous attaqueront et vous suivront. Les ennemis sont également sensibles aux bruits forts, mais aussi vulnérables aux attaques furtives, en particulier par derrière. Ils aiment pas les attaques dans les fesses. Oh, ça c'est un bon petit coup à la tête, hein? Ah, ça fait mal! Tu vas regretter. Tu ne mérites pas de vivre. Hasta la vista, bébé. Il dort celui-là. Tu vas l'avoir derrière la tête. Oh! Oh, double coup derrière les cocos! Got some food. Now to call for help. Très bien, nous avons de la nourriture. Maintenant, allez à la passerelle et envoyez un appel de détresse. Les objets de la quête, comme la clé du pont, ne sont nécessitent pas d'emplacement sur ta barre d'action. Si vous avez trouvé, vous les avez dans votre poche. Bon. Ça remplit combien? Les éléments en utilise se trouvent souvent sur la passerelle. Ne laissez aucun cabinet dans la ville sans le vérifier.
La radio s'est cassée, bien sûr. La corne de brume devrait faire l'affaire. Ouais, j'arrive d'être là, mais il y a une porte là. Oh, Chris! Non, la barre de métal! J'avais des points. J'ai une 3 places. Hey, t'es chez Caribou, prends ta chaise, regarde-moi. Ok, je comprends. Une bouteille cassée, je peux me battre avec ça. Skyrun Mix Gaming, Skyrun Mix Gaming. Welcome to my channel, my friend. Take your place, look at me. Bienvenue à la tribu du Caribou canadien, mon cher ami. Ça fait super plaisir de t'en follow. Oh yeah! Ok, c'est pas pire comme jeu. Il y a du monde là-dessus qui va triper ben raide, puis je les comprends. Quand viendra l'effroi? Le son de la corne résonne à travers la corne, le crâne rempli de chaque partie de votre conscience. Comme une lumière qui s'éteint, vous vous effondrez au sol. Je suis mort? Les survivants auront enfin, enfin chaque journée. Mais vous pouvez leur donner à manger la nourriture que vous avez trouvée sur le pont si vos souvenirs restent affamés. Ils seront plus lents et risquent de perdre la santé, ce qui pourrait entraîner leur mort. Au moins, je ne meurs pas aujourd'hui. Quand viendra l'effroi? Jour 2. Réveil brutal, réveil en panique, votre curieux se prend immédiatement dessus. Où êtes-vous? Ah oui, nous l'avons déjà fait auparavant. Bouge le bol. Oh, bien sûr, réveillé! Même s'il vaut probablement mieux être inconscient. Jed, qu'est-ce qui s'est passé? Comment suis-je revenu ici? On ne devrait pas être secouru? Jed admiratif. Ouais!
Tu te souviens? Tu te souviens avoir fait sonner la corde? C'est une première. Ça fait un moment qu'on n'a pas été là-dessus, tu vois. Je t'ai envoyé chercher des provisions plusieurs fois et tu es toujours revenu. La seule différence, c'est que cette fois, tu te souviens y avoir allé. Je ne sais pas combien de fois on l'a fait, mais jusqu'à maintenant. Mais je me demande, c'est peut-être un progrès, peut-être que notre situation va s'améliorer. C'est agréable de se sentir à nouveau optimiste. Le temps est venu de qu'on soit établi, ça t'aidera à réparer l'équipement pour les prochaines fois. Prends des débris, ils te permettront de commencer. Vous pouvez maintenant réparer ou améliorer vos armes de votre équipement. J'ai un pistolet. Vous pouvez utiliser les débris en restant cassonné à l'atelier bucolaire pour réparer votre équipement. Les objets peuvent aussi récupérer. Pas besoin. Bon. Cool. C'est un jeu de $25. Jed, quel était arrivé au passager de l'équipage? Je peux pas vous dire. Le mieux, c'est que vous donnez mon journal. Ce sera aussi précis que possible, en tout cas. Que je vous donne mon journal. Ah oui, j'ai quelque sorte... j'ai déjà pris ton journal avec moi lors de ma dernière expédition, mais merci. J'ai bien vu quelques trolls hier, mais pas de gens ou de corps. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que si on est en vie, d'autres doivent l'être aussi. Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil sur le plan numéro 2? Je pense que je vais faire ça. Étage numéro 2. Puis as-tu vu comment est-ce qu'il y en a? Il y en a comme 15. Vous avez une capacité active et des capacités passives. Vos aventures pourraient vous amener à découvrir d'autres capacités. Il doit y avoir... L'union fait la force, il doit y avoir d'autres survivants à bord. Il est temps de les trouver. Unis, nous aurons plus de chances de survie. Nouveau par ici, hein? Partez-moi de vous présenter une petite... Il m'a frappé dans le dos, en plus. Elle est où, ma barre de fer? Ça peut... Elle est réparée, ou... C'est mal, ça, hein? Aïe, aïe, hein? Bon.
trop bon. Picked the wrong enemy, pal. Woohoo! Let's see. Quatorze barres de fer. On est barres de fer. Salut Lille, comment ça va? Aïe, nous y voilà. Un autre coup à la tête, ne plus. Ok, c'est bon. Come on. I ain't got all day. Allez, j'ai pas toute la journée, enfant de pute. Putain, ils sont... Oh, il a frappé sur mon body. Il faut que je l'aide. Je vais t'aider! Bill, reste là. La nuit en surgit des profondeurs de notre esprit, un an. Bill! Il vous fait signe de vous taire. D'autres créateurs rôdent aux proximités. Ces maudites choses sont malines, elles semblent apparaître dès que se détournent les yeux, même pour une seconde. Au fait, je m'appelle Bill Bannonstorm. Je connais votre nom, comment ça va? Vous tenez le coup? Comment savez-vous qu'ils sont là? Comment savez-vous qu'ils sont là? On appelle ça l'hypervigilance, je crois. Concentration constante à la recherche de moindres signes de quelque chose de louche.
Ça rend ma femme June tout simplement folle. Mais c'est utile. Attention, les voilà qui arrivent. Sécurité le périmètre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Un coup. Oh, il y en a trois. C'est beau, beaucoup de points. Attaque. Allez, ben, vas-y. Just a scratch. Let's go, Bill. Je m'occupe de lui. Tiens. Vas-y, Bill, c'est ton tour. Tu en donnes même un deuxième. Bill. Aïe, aïe, Bill. T'es capable, Bill. Vas-y. Sécuriser le périmètre, c'était tout juste, ils sont sortis de nulle part. Vous demandez si Bill va bien. Ça va, Bill? Bon spectacle, ça leur apprendra à ces seigneurs. Vous avez un endroit sécuritaire. En bas, sous le pont. Voudrais-tu nous rejoindre? Donne-moi le temps d'y réfléchir. Reviens demain et nous pourrons en discuter si tout va bien. Tu le trouveras sur le pan 3. Poursuivez le cycle. Une fois cette bonne action accomplie, la Comte de Brune reste un chemin le plus simple vers le Hall. Gagnez la réputation positive après des survivants en les aidant, en les intéressant avec eux. Ils pourraient vous rejoindre dans le Hall s'ils viennent à vous les apprécier. Intéressant comme principe de jeu. Si vous vous perdez, appuyez sur LB pour vérifier le plan. Pas perdu. Thank God all day. Oh. Is that my blood or yours? I can't do that. Let's see. Bon. Plus 20. Plus 20. On a combien? Ah, 84. Je vais regarder pas comme il faut. C'est quelque chose à se battre d'un coup, quoi.
Ça marche pas, je peux pas aller là. You've picked the wrong enemy, pal. Salut Power, ça va? T'es prêt bientôt? Dans combien de temps ça? Cela vous ramènera à Watt. Pas sûr comment ça marche. Trouvé. Ok. Excellent. Mangeons la prochaine fois. Je sais que c'est pour se tuer. Si vous voulez sauver, vous avez continué à explorer le bateau. C'est à Jet, qu'est-ce qui s'est passé? So, alors, comment ça s'est passé?
J'ai rencontré un ancien combattant nommé Bill. Un vétéran. J'ai moi-même pas mal d'expérience au combat. Je me sens vétéran aussi, à vrai dire. Où est ce Bill alors? Il n'a pas suivi, il a dit qu'il devait y réfléchir. Il a l'air un peu paranoïaque. Qui sait ce qu'il a vu là-bas? Un paranoïaque est un défaut qui ne pourrait bien te sauver la vie. Moi, je dis, essaie de gagner sa confiance. Mais avant de repartir, il nous faut un autre lit si on veut qu'il reste. Parce que quelques débris pourraient améliorer notre dortoir. Nous avons de la place pour Bill s'il décide de nous rejoindre. Prenez l'ascenseur jusqu'au 3 et voyez si Bill veut. L'amélioration des dortoirs vous permet de recruter plus de survivants de votre groupe. Essayez de garder un lit vide en tout temps afin de ne pas avoir à refuser quelqu'un qui est prêt à se joindre à vous. Vous pouvez également vérifier le statut des capacités des statistiques des membres du groupe. Je peux faire un autre lit.